La relation entre le prince Harry et son frère, le prince William, est à sa goutte d'eau alors que la furie monte dans le palais à cause d'une nouvelle bombe. A affirmé un commentateur royal, le duc et la duchesse de Sussex doivent retourner au Royaume-Uni le mois prochain, pour la première fois depuis le jubilé de platine de la reine, pour passer du temps avec des organisations caritatives qui leur tiennent à cœur. Le commentateur royal Dan Rotton a affirmé que ce voyage mettrait une pression supplémentaire sur le fossé entre Harry et son frère. William, avant la publication des mémoires révélatrices de la bombe de Harry qui devrait être publiée dans les mois à venir. Écrivant dans le Daily Mail, M. Rotton a déclaré, la fureur, l'indignation et le dégoût au plus haut niveau de la monarchie face à la décision du prince Harry de poursuivre la publication de sa prochaine autobiographie, alors même que la santé de la reine de 96 ans souffre, ne fait que croître. En effet, le intime et sincère 14 livres. Le livre de 7 millions Penguin Random House s'est considéré comme la goutte d'eau probable dans les relations entre Harry et son frère le prince William, qui n'a toujours pas pardonné aux Sussex leur bonanza de mensonges autrement connue sous le nom d'interview d'Oprah Winfrey. Parlant de l'interview sur Nancy O'Dell's Channel sur Talk Shop Live, Oprah a défendu la véridique Meghan pour sa bravoure et son honnêteté lors de leur interview révélatrice. Elle a déclaré, « Je n'avais aucune idée que cela aurait l'impact retentissant que cela a eu et continue d'avoir. J'ai fait beaucoup de préparation pour ça. Je n'avais aucune idée que cela aurait l'impact retentissant qu'il a eu et qu'il continue d'avoir. Point. J'ai fait beaucoup de préparation pour ça. » Parlant de l'interview sur Nancy O'Dell's Channel sur Talk Shop Live, Oprah a défendu la véridique Meghan pour sa bravoure et son honnêteté lors de leur interview révélatrice. Elle a déclaré, « Je n'avais aucune idée que cela aurait l'impact retentissant que cela avait et continue d'avoir. J'ai fait beaucoup de préparation pour ça. Je n'avais aucune idée que cela aurait l'impact retentissant qu'il a eu et qu'il continue d'avoir. J'ai fait beaucoup de préparation pour ça. » Parlant de l'interview sur Nancy O'Dell's Channel sur Talk Shop Live, Oprah a défendu la véridique.